Tu m'as manqué, mec. Et salut, c'est Max, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur The Evil Within, le premier jeu du nom. Vu que je vous ai fait deux épisodes à la suite de l'autre. Donc voilà. Donc c'est parti. Alors j'espère quand même que le let's play vous plaît toujours autant, les amis. Franchement, ça fait... Attends, c'est quelle touche? C'est quelle touche pour éteindre? C'est quelle touche? C'est quelle touche? Ah, peut-être c'est A. Voilà. C'est discretos. Putain. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi. Je passe.
Marcel! Faut pas que je reste ici. Oh, c'est cinématique! Franchement, c'est chaud, hein. Franchement, c'est vachement chaud, les amis. Mais au moins, j'ai fait discretos, hein, parce qu'il allait me voir, etc. Et là, je me suis dit, non, je vais courir, parce que là, c'est vraiment ça. Celui avec des pics comme ça, j'aime pas du tout, je n'aime pas du tout. Oh, chapitre 2 terminé! Oh mon dieu, bah oui. Alors, sauvegarder la partie. Bah bien sûr. Voilà. Voilà. Et chapitre suivant. Chapitre 3, dans les griffes... De quoi? Dans les griffes de la Horde. Je ne sais pas, il y a combien de chapitres là-dedans, je ne sais pas. Et je me suis pas me spoiler dans les vidéos de Seroth. J'ai regardé par-ci par-là, pic-ploc réellement, où je dois passer. Mais sinon, je n'ai pas regardé... si, j'ai regardé il y a quelques temps, mais... Non, j'ai plus regardé. Parce que... Attends. D'accord. Où je suis? Chapitre 3. Dans les griffes de Freddy. Non, pas dans les griffes de Freddy. Les griffes dans la Horde. Oh, vous êtes sérieux? V. Voilà. Et maintenant je peux prendre. Ok, ça c'est bon. Je peux pas... Ah, si je peux faire ça, voilà, on récupère ça. On dirait ce jeu-là, mais ça m'a fait penser à... quand même un petit peu à Vampire que j'avais fait il y a quelques temps sur la chaîne. Pour moi, ça me fait penser à des jeux comme ça. Au niveau graphisme. Mais Vampire date il y a quand même. Ok, on va récupérer ça. Je peux pas récupérer ça, non? Ok. Oh, vous êtes sérieux? Des allumettes. Enflammé. Faudrait que je meure, que je fasse les vieux Resident Evil. Faut que je les fasse. J'ai pas acheté les vieux Resident Evil. En plus, j'ai même pas encore acheté le nouveau Resident Evil 4 Remake. Mais pour comprendre un petit peu l'or de l'histoire, le Rebirth. Ah bah oui, fais-moi de bruit s'il te plaît, hein. Non mais... Ouh, à mon avis...
Ça sent quelque chose, ça sent pas bon. Enflammé. Voilà. Au moins, je récupère. Et il y a un bocal. Faire ça, hein. Écoute, je vais essayer de récupérer ma vie. Ok, il y a une bouteille. Heidi! Bah, je me demandais c'était quoi. Attends, il m'emmène où? Ok, c'est fermé. Au moins, je sais, c'est fermé. Donc... enflammé. Ah.
cacher. Se cacher en dessous des lignes, ça fait penser à Granny. Qui est là? Non, ne tirez pas. Je ne suis pas comme eux. Je suis docteur. Marcelo Jiménez. Vous étiez dans l'ambulance avant l'accident, c'est ça? Oui, on l'a échappé belle. Vous n'avez pas vu les autres? Seulement mon patient, Leslie. Je l'ai vu fuir par là, mais... Mais? Voyez par vous-même. Mais pas un bruit. Ouais, mais moi ça me semble très vague ça. Elle a disparu. Journal de Sébastien Castellano, décembre 2004, premier jour, tant qu'inspecteur, ma nouvelle partenaire Mira Hanson est une vraie dure à cuire. Directe et obstinée, tout ce que j'aime chez une femme. Par contre, il faut que je me tienne à carreau avec elle. Elle a déjà failli surprendre en train de la réluquer. Ok. Bah au moins... Attends. Je ne vous avais pas vu depuis longtemps. Stock. Aptitude. Jauge de vie. Voilà. Jauge de vie, ça c'est bon.
Donc, jauge de vie, j'ai augmenté. Je suis au niveau 2. Donc, ça, c'est bien. Je peux pas. Temps de sprint maximal. Bah là, voilà. Je suis à 100. Là, je peux plus rien augmenter. Faut que je passe niveau 2. Là, il faut que je passe niveau 3. Là, il faut que je passe au niveau 2. Soit dans les stockages. Multiplicateur de dégâts. Cadence de tir. Vitesse de rechargement. Capacité de chargeur, précision et coût critique. Est-ce que je peux améliorer en dégâts en stock? Et je peux rien faire. Mais au moins c'est déjà ça, on a déjà. Caché. Ok. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Et ok, on voit où on est. Ouais. Voyez par vous-même. Ces choses, elles m'ont poursuivi jusque dans le village. Moi aussi. Bon, moi j'ai fait un petit détour pour voir ce qu'il y avait, etc. Leslie est passée par ce portail. Ah ouais. Seigneur, il y en a trop pour qu'on passe en force. L'un de nous pourrait tenter de les éloigner pendant que l'autre ouvre le portail. Vous êtes le seul à être armé. J'ai des doutes. Ces maudits pièges. Il y a une manivelle sur la terrasse. Actionnez-la pour que je puisse passer. Par ici, là. Hé, hey, par ici. C'est ça, suivez-moi!
Il va juste réussir à se faire tuer. Oh mon dieu, oh mon dieu. Thank you.
comment est-ce que je vais ouvrir ça? Voilà. Je voulais réellement me tranquilliser, etc. pour me tuer parce que là... Une grenade, d'accord.
Ah, arbalète agonie. Cette arbalète pilée. D'accord. Alors, les pièces détachées peuvent servir à fabriquer n'importe quel carreau de... ok. Comment vous avez fait pour l'ouvrir si vite? Si vous voulez tenter votre chance. Écoute. On n'a pas de temps à perdre. Nous devons absolument trouver Leslie avant que quelque chose ne lui arrive. Expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais synchronisation réussie. Les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charogne mentale. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit avant qu'elle... Franchement, c'est intriguant ce truc-là.
Expérience numéro 4. Sujet numéro 4 à 13. Activité cérébrale réduite. Mais synchronisation réussie. Les sujets devraient commencer à ressentir une conscience commune. Les tests précédents ont montré une rapide détérioration de cette conscience. Leurs esprits sont devenus une masse informe, un amas de charogne mentale. Je dois me connecter moi-même pour ressentir la terreur qui les envahit. Ok, à mon avis, il faut que je tire dessus là. Le sniper, sinon il va me tirer dedans. Voilà.
Mais non! Oh! Je me suis bien sorti là! Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre.
Ok, on récupère ça. Il faut que je la batte, et vite. Mais non! C'est pas vrai. Génial. Il doit y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre.
lui, il faut que je la batte, et vite. Mais non! Pas possible. On va réessayer et puis si c'est... Génial. Et si j'y arrive pas, ben on fera ça dans le prochain épisode. Un truc du genre. Mais au moins, je voulais réellement réussir. À mon avis, c'est peut-être la fin du chapitre. Faut que je la batte, et vite. Ah, tu touches. Mais c'est pas possible. Génial. Il doit y
y avoir quelque chose qui peut couper ça. Une tronçonneuse ou un truc du genre. Oh non, pas ça, pas ce piège, oh non. Oh purée! Bon. Oh punaise. Ça pourrait être utile. Si le chapitre est fini, les amis, si on commence à un autre... Attendez, par ici. Attendez, si on commence à un autre, donc c'est le chapitre 4... C'est l'inspecteur Castellanos. Leslie ne doit pas être loin. Il faut absolument qu'on le retrouve. Et là, c'est... Profil. Chapitre 3 terminé. Oh là là, purée, c'était vachement dur celui-là. Et en plus, j'ai mis en mode facile, hein. Comme quoi, les chapitres... Ah, j'ai oublié de sauvegarder, j'ai oublié de sauvegarder. Bah, il y aura certainement une sauvegarde, hein. Ah, l'hospice. Mais bien sûr, c'est là que Leslie était traité. Il a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est ? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Chapitre 4, le patient. Si ça se trouve, je perds la tête et vous n'êtes qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une once de dignité. Je dois absolument protéger mon patient. Et en tant qu'inspecteur, vous devriez faire de même. J'espère que son frère est un peu moins con. Bon, voilà les amis. En tout cas, on va s'arrêter là hein, pour cet épisode. Hein. Voilà, je vous mets comme ça, réellement. Ralentissez. En tout cas... Voilà, je vais faire ça. D'accord. Ok, j'ai rien fait. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, réellement, sur The Evil Within, épisode 3. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu sur... ce let's play. En tout cas, on continuera ça dans le prochain épisode. Je sais, je voulais réellement essayer de finir. Et si j'avais pas réussi, bah, je mourrais, etc. On essayerait de refaire ça dans l'épisode prochain. Mais là, on va commencer dans le prochain épisode. On commencera le chapitre 4, le patient. Donc, voilà. En tout cas, c'est toujours intriguant, réellement. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. En tout cas, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour The Evil Within épisode 4. Pour le chapitre 4, oui, c'est vraiment comme ça. Mais du coup, voilà. Et puis, si ce contenu vous plaît, les amis, n'hésitez pas réellement hein, à vous abonner hein, réellement au niveau...
de la chaîne. Donc n'hésitez pas à... Si ce contenu vous plaît, ben n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne ratez rien d'autre sur la chaîne pour les prochains épisodes sur The Evil Within. À mon avis, dans le prochain, on essaiera de faire des épisodes courts. Mais là, je voulais réellement essayer d'y arriver pour, avec la tronçonneuse. Et franchement, elle était vachement dure. Réellement. Donc franchement, c'était incroyable. Mais j'ai réussi. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre sur les prochains jeux de l'univers de FNAF et vraiment peut-être les prochains jours, les VHS de Five Nights at Freddy's qu'on fera très prochainement sur la chaîne. Et n'hésitez pas, je pense qu'on fera peut-être cette semaine-ci ou la semaine prochaine, on verra. On refera bien sûr notamment du Five Nights at Freddy's Glitched Attraction. Donc on refera ça, on fera le deuxième épisode. Je pense que ça m'a bien plu et j'ai envie de vous faire la suite parce que franchement j'aime beaucoup l'univers maintenant de FNAF et de Five Nights at Freddy's. Et du coup j'ai envie de faire tout le temps des vidéos sur FNAF et j'ai envie de vous avancer aussi sur The Evil Within parce que j'espère quand même que les deux premiers épisodes vous auront plu. Donc voilà, ça fait réellement plaisir. Et donc très bientôt, vous aurez les VHS de Five Nights at Freddy's. Peut-être les secrets du film au niveau du film FNAF, comment ils ont pu réaliser ça. Donc on fera ça très prochainement aussi. Et je vous ferai bientôt une petite vidéo de mes nouveaux dossiers Flash News au niveau de ma nouvelle amélioration de ma chaîne très prochainement. Donc voilà. Et n'hésitez pas à mettre vos plus beaux magnifiques pouces bleus sur cette magnifique vidéo. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite de The Evil Within. Le premier jeu du nom. Puis après on fera The Evil Within 2. Qui est la suite du coup. Allez, moi je vous dis à très bientôt. C'était Max, portez-vous bien. Et ciao tout le monde. Tu m'as manqué, mec!